jeunesse, pour le repos de l'âme de Dominique Campino, et nous prions également pour la famille Florent Michaud. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Seigneur a fait choix de nous pour être ses disciples et pour aller annoncer la bonne nouvelle. Pour tant de fois que nous avons fermé nos oreilles pour ne pas répondre à l'appel du Seigneur, reconnaissons devant le Seigneur que nous ne sommes pas dignes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous mes fautes, que j'ai péché en pensée, en parole, en action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges tout puissants, et vous aussi mes fautes. Je prie le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, quand je me suis adressé à vous, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des êtres seulement charnels, comme à des petits enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné, et non de la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu en manger. Et encore maintenant, vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore des êtres charnels. Puisqu'il y a entre vous des jalousies et des rivalités, n'êtes-vous pas toujours des êtres charnels et n'avez-vous pas une conduite toute humaine? Quand l'un de vous dit, « Moi, j'appartiens à Paul », et un autre, « Moi, j'appartiens à Apollos. » N'est-ce pas une façon d'agir toute humaine? Mais qui donc est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui donne la croissance. Donc, celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Mais chacun recevra son propre salaire, suivant la peine qu'il se sera donnée. Nous sommes des collaborateurs de Dieu. Et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Parole du Seigneur. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Du lieu qu'il habite, il observe,
nous, les habitants de la terre, lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva, et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même les démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant, « C'est toi, le Fils de Dieu. » Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler, parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient, elles arrivèrent jusqu'à lui, et elles les retenaient, pour l'empêcher de les quitter, mais il leur dit, « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'Évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a permis de voir un nouveau jour. Et c'est le plus grand miracle de notre vie, le miracle de la vie, le fait d'être en vie. Et c'est ça le plus important pour nous. Et à chaque jour, le Seigneur nous donne cette possibilité de nous rapprocher de lui. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Cette parole doit nous faire prendre conscience que nous avons chacun, chacune, une mission sur cette terre. On peut accomplir, durant notre vie, de multiples tâches. On peut exercer pas mal de professions ou de travaux, mais notre mission essentielle, c'est d'être les porteurs de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est l'annonce de l'Évangile. Et il y a plusieurs manières d'annoncer cette bonne nouvelle. On peut être des missionnaires qui prêchent par la parole. On peut être aussi des missionnaires qui prêchent par l'exemple. J'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé.
Nous qui sommes à la suite de Jésus, nous avons reçu cette mission de guérir ceux qui sont malades, ceux et celles qui sont atteints de diverses infirmités, ceux qui sont possédés par les démons. Et regardez dans l'Évangile, même ceux qui sont possédés par le démon ont reconnu en Jésus qu'il est le Fils de Dieu. Lorsqu'on blesse une personne, au lieu de l'aider à guérir, c'est comme si on ne reconnaît pas le Fils de Dieu. Lorsqu'on se laisse habiter par les esprits de faire le mal, par le mensonge ou l'hypocrisie, c'est comme si on ne connaît pas le Fils de Dieu. Demandons au Seigneur de nous donner ce désir d'être les porteurs, les porteuses de bonnes nouvelles, d'être des artisans de paix qui annoncent aux gens que le règne de Dieu est tout proche, qu'il faut nous convertir. Que la parole de Dieu aujourd'hui ouvre ce chemin de conversion dans notre cœur et qu'il nous attache à notre Seigneur Jésus. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous t'en supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité, nous t'en prions. Fait qu'il devienne aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père et très saint, Dieu éternel, le Tout-Puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Dieu, 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 Die
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions, Seigneur, pour feu Dominique Pinault, la famille Florent Michou. Nous te prions également pour le repos de l'âme de Ronel Blaise. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux, les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un Christ, un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Nous t'adorons, Jésus, en ce moment et nous cherchons en ta présence, dans ton cœur miséricordieux, une guérison. Une guérison pour nos maladies, une guérison pour nos infirmités, une guérison pour les mauvais esprits qui nous habitent parfois. Nous voulons être tes disciples, ceux, celles qui apportent la bonne nouvelle. Fais de nous tes enfants, des artisans de paix. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton Fils, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption.
toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint, consolateur. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.